Donc, on va passer l'antenne. Ah putain, il y a des bugs. Ah non, c'est bon. C'est toi, l'enregistrement, il a déjà commencé. À chaque fois que tu es en auto-live, il enregistre de toute façon ce que tu filmes. Ouais, donc faut faire gaffe. Non, c'est bien. Non, parce que tu le perds pas, tu vois. Ouais, quand, quand tu vas dans ta librairie, tu vois, ce qu'on vient d'enregistrer, c'est là. Donc là, il l'a pas encore encodé. Ça, si, ça y est, c'est fait. Putain, ça va quand même vite, hein. Ouais, et tu peux regarder la preview là. Ah non, c'est pas ça. C'est ce qu'on a. Ah non, putain. Oh, tout ce que j'ai enlevé. C'est tous mes tests, ça. Fait une chest metadata, ça c'est normal. Parce qu'on n'a pas encore. Les metadata, en fait, c'est sur Quick. Tu peux mettre un texte, c'est comme sur YouTube, le nom de ta vidéo, plus un texte de description, ce qu'on appelle les metadata. Mais ça, il ne le sait pas gérer encore. Enfin, on peut le download de vidéo. C'est pas encore au point, au top, top, top. Ça va mettre un peu de temps. Attends, je vais tout virer. Faire un peu de ménage. Yes. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas virer. Alors, petite chose, ça c'est le nouveau système de playlist. Donc, quand tu double-cliques dessus, celui-là il y en a un. Des fois, ça merde, ça ne t'ouvre pas. Ce qu'il faut, c'est quand tu es sur ta. Quand tu vois tes slides, tu as tes storyboards. Tu vois, quand tu, tu double-cliques dessus, ça ne marche pas. Maintenant, ils ont rajouté la fonction après. On aime ou non, on n'aime pas, moi ça me gonfle. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de faire comme ça. Donc voilà. Alors, l'histoire, c'est que tu as cette petite case, la Play as One, ou pas. Non, tu n'enchaînes même pas tous les trucs, en fait. C'est que quand tu cliques ça sur Play as One, quand tu y mets la vidéo à la demande, ça te fait un seul clip. Et donc, quand tu vas sur ta chaîne, c'est pas, en fait, c'est pas si mal quand nous, quand on fait des émissions du Slack TV, on a du plateau, on a de la vidéo, on a du générique. Donc, si on fragmente tout, le mec il clique sur le générique, on bat les couilles. Là, le truc, c'est que. Voilà, donc VOD. Attends, tu vois. Là, on va avoir. Tu vois, tous les petits onglets là, ça correspond à chaque clic qu'on a. Donc, c'est à joie. Hop, tu vois, là, c'est le début d'un des clics. D'accord. Et bientôt, on aura les vignettes. C'est ce que m'a dit l'autre fois. Donc voilà, hop, début. Donc quelque part, c'est pas mal. Faut simplement savoir quoi. Et donc si ça on ne met, met pas en Play as One, alors je sais pas le Play as One si c'est là où si on gère là, on risque de là de l'autre côté. Donc si ça on enlève, on va sur notre chaîne. Pas mal hein, quand on met super beau générique, hein. Tu dis putain, j'ai loupé une vocation. Je comprends. Alors, hop, il est encore bloqué sur Quick. Alors, il y a un problème qui arrive souvent. C'est qu'à chaque fois avant, à chaque fois que tu diffuses avec Quick, il garde tes caméras en cache. Donc, avec 20 caméras,
créer tout le même lot et garder l'antenne. Apparemment, ça va un peu mieux, mais Déborah, j'ai eu Déborah hier soir, il y a quand même pas mal de bugs et de curies, donc n'importe quoi, il y a encore du boulot à régler. Donc, bon, au niveau de la régie, on attend ton arbre. Tu prends pas ton fauteuil. Dans les trucs qui vont évoluer, ça c'est dans le sens. Mais REC encore, hein. Ah oui, REC encore.